Bonjour à tous, c'est Daika, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma team, car ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo sur elle. Et j'avais envie de vous représenter un peu les persos, vu qu'il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport à la dernière vidéo de ma présentation de ma team, qui je ne sais plus de quand elle date vraiment, parce que ça remonte vraiment à déjà beaucoup de temps. Donc on va parler un peu des évolutions, de l'avenir, du présent, enfin voilà, on va refaire une petite récapitulation sur donc mes 4 persos. Donc je joue maintenant 4 persos, on va dire pendant les temps, enfin c'est pas vraiment ça, on va dire plutôt les 3. Donc Estizia le Kra, Elian Jenerypsa et Eleanor l'Eka. Donc les 3 là je les joue tout le temps, toute l'année, on va dire voilà, parce que bon, le Kra c'est mon perso principal, c'est lui qui fait quasiment tout. L'Enyrypsa en fait parce qu'il faut qu'elle fasse l'Almanax. Donc là je passe sur le compte de l'Enyrypsa. Voilà, donc faut que je fasse l'Almanax, donc du coup je suis obligé de labo. Et pour les cas c'est pareil. Et puis ça m'aide à faire des succès également et tout ça. Et le Zobal, donc mon Zobal Ereosia, donc que j'avais créé début de l'été, donc de cet été qui vient de se terminer malheureusement. Il est à bout en fait parce que Ankama, et oui, a été généreux pour une fois, m'a abonné gratuitement mon perso jusqu'au 21. Donc il me l'a abonné 3 jours, hein, ça avait commencé le 19, on est le 20 aujourd'hui, et ça finit demain. Donc voilà, 3 jours d'abonnement gratuit, donc je me suis dit pourquoi pas continuer un peu à l'XP. Donc je l'ai mis un stuff vite fait que j'avais sur mon premier Zobal, que je suis toujours en train de monter d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment super, hein. Comme ça me permet de l'XP un tout petit peu. Voilà. Alors, on va passer maintenant au stuff. Voilà, donc j'équipe mon équipement rapide sur le Kra. Alors le Kra, c'est un personnage, on va dire, qui a toujours été bien optimisé, tout ça. Mais maintenant, il se retrouve encore plus optimisé. Donc grâce à son mode full strigide Glourson, donc optimisé en 12.5 avec le familier. Hein, si je mets la Dragodinde, 12.6 évidemment. Donc voilà, je laisse avec le familier parce que c'est plus cute avec le familier, enfin bref, voilà, j'aime mieux. oui, full strigide, hein, comme je le disais, FM, on va dire, entre jet PVP et PVM, hein, y a toujours un petit peu de malus, mais j'ai préféré quand même des bons jets, hein, 10-10-10, il manque un CC, mais bon, pour moi ça me dérange pas parce que je suis déjà à 50, donc je suis largement au-dessus. Donc voilà, donc, je préférais un bon jet avec des dommages, les dommages critiques, etc. Plutôt que d'avoir un CC en plus, complètement inutile sur ce mode. Les bottes du Strigide, donc voilà, FM un petit peu à l'arrache. Bad Glourson PA, que ça j'avais déjà, je pense, dans les autres vidéos, j'avais déjà montré, ou je sais plus d'ailleurs. Donc ça, je refais un bon récap, hein, pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne. En tout cas, merci, hein, pour ceux qui rejoignent ma chaîne, c'est vraiment super. Je vous adore. Alliance Glourson PM, donc. Voile d'encre, hein, voilà. Épée Glourson, très basique, l'épée Glourson. Et la casque de Mrs. Freeze, voilà, très bon jet également. Donc voilà, pour le stuff, sinon ben les Dofus, hein, voilà, full Dofus. Alors le pourpre que j'avais fait par quête, hein, vu que la quête était sortie courant mois de juin, fin juin. Le déglace, hein, que j'ai déjà depuis très longtemps déjà maintenant, le 21 janvier il me semble, donc ça fait déjà 9 mois. Le Dofus Ocre, bien évidemment, le Dolmanax que j'avais vu également en janvier, le Dofus Turquoise plus 17 que j'avais. Ouais, celui-là je l'ai évolué, hein, pour permettre justement mon second mode, hein, que je vais vous présenter juste après sur le Kra, et le Kawot, que celui-là je peux par contre faire par un autre trophée. Ouais, c'est surtout le forcené majeur que je mets. Ou alors l'initiateur majeur que j'ai actuellement sur mon Zobal que je mets des fois. Voilà. Pour varier un peu en PVP, je suis quand même à 2500 d'initiative, hein, c'est quand même pas mal. 4078 Vita, donc c'est cool. Je peux monter à 4002 avec la DD. Si je mets l'émeraude que j'ai remis sur mon Zobal, je passe à 4400. Enfin voilà, donc il y a vraiment des possibilités, hein, énormes, hein, qui se jouent. Bon, l'inconvénient de ce stuff c'est la portée, hein, 2 de portée c'est assez pourri. Bon, j'ai le tir éloigné certes qui booste la PO, mais bon, c'est un peu l'inconvénient de ce stuff. Voilà, pour tirer avantage et inconvénient. Les invocations aussi, hein, une invocation c'est petit, bon sur un Kra c'est pas tellement utile. Je sors souvent, enfin souvent, non. L'invocation que je sors le plus sur le Kra c'est l'Arachné. Voilà, sinon j'ai pas trop besoin. Le Doppel, vu que j'ai pas monté le Doppel en fait, ça me sert à rien. Donc bon, c'est très bien comme ça. Les caractères, bon c'est assez basique, hein, je passe vite fait.
Voilà, 50 CC, donc je suis large, pas beaucoup de retrait esquive, hein, c'est un peu le défaut de ce mode-là aussi, malgré que j'ai le kawott. Donc vous voyez, si j'active le kawott, vous retirez 6 à tout ça. Soit on s'en fiche. Tacle, c'est quand même plutôt pas mal, hein, en 61, c'est plutôt sympa. Puissance, hein, 408 puissance, donc là c'est quand même assez fumé, sur 55 de cri. Les neutres, enfin les neutres, non. Les dommages sont quasiment tous à 80, R il y a un petit peu moins. Parce qu'en fait c'est le casque de Mrs. Freeze, hein, y a pas la ligne R. Enfin, elle n'existe pas sur l'équipement, hein, donc je peux pas la mettre. Voilà. Et sinon les résis c'est plutôt sympa, on a 10, 10, 30, 30 et quelques, donc c'est vraiment sympa. Voilà pour le mode Strigide Glourson, donc totalement classique, hein, mais vraiment très efficace, hein, ce mode-là. Oups. Voilà. Et le second mode maintenant, donc avec le compost, le mode full terre. Oui, j'ai refait un mode full terre, hein, pour histoire d'avoir un mode full terre, voilà tout simplement. Alors ce qui est gardé sur ce mode là, bah, c'est la muse strigide, que j'ai pas trouvé mieux en termes d'amus. J'ai essayé de mettre la Andar, mais finalement c'est beaucoup moins bien. C'est beaucoup moins bien. On aurait gagné certains PO. Ouais, on aurait gagné certains PO, mais bon, c'est je rox beaucoup moins avec la Andar. Donc j'ai vous gardé la strigide. J'ai gardé pardon, également le casque de Mrs. Freeze, hein, donc ça vous allez comprendre pourquoi après. Même si c'est pas rendu full terre, hein, c'est plus ça que c'est puissance multi. Alors après, j'ai la note brousse, donc enfin, Over Vita de 21, hein, que j'ai réalisé. Sinon le jet est plutôt pas mal, hein, je suis assez fier de mon jet. Ensuite, ceinture de brousse, qui est donc pas over de rien du tout, mais il y a quand même les 2 PO et les 6 crits et les 18 dommages, donc ça c'est plutôt sympa. Ainsi que les 10 res crits, en gardant le reste en jet plutôt sympa. Ensuite, les bottes de brousse avec un over de 27 que j'ai moi-même réalisé avec les 18 dommages et toutes les résis. Voilà. Un jet plutôt sympa. Donc, ça c'était pour la panoplie de brousse, hein, donc full brousse. Avec ce mode-là, j'ai 45 CC, donc tout pile, avec le tutu plus 17. Et je peux être un sûr de partout, hein, malgré la bêchasse. Donc, ça c'est vraiment sympa. Bêchasse à moins 6 CC. Donc, une bêchasse plutôt sympathique. Bon, j'aime pas trop le 1 retrait PM, mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Le jet est vraiment sympa, 75 force sur 75 force, donc ça c'est vraiment super sympa. La capologie, et là vous allez voir un peu les l'as de l'AFM que je suis, sans trop me vanter. Donc un over de 2, bon, l'over est assez anecdotique, mais sinon regardez un peu le jet, 97 sur 100, 6 sur 6, le PM, 18-18, 15, 10, 8-5, donc j'ai tout parfait. Donc ça c'est le pote que j'avais coaché, merci à lui, hein, pour être costumage que je ne suis pas. C'était vraiment sympa. Voilà, donc un jet magnifique, hein, au-delà de toutes mes espérances, hein, donc c'est très rare, hein, un jet comme ça je trouve. Voilà. J'en ai pas trouvé en HDV, hein, d'aussi équivalent. C'est les 10 dommages, hein, qui sont très durs à avoir en FM, ça c'est vrai. Enfin bon voilà, je vais pas éterniser, c'est pas une vidéo d'FM. Bref, une belle capologie et l'Alliance Mrs. PA, que je lui ai dit qu'il fallait compléter ce mode-là, donc voilà. Donc c'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est Magic Vodka, voilà, que je ne connais pas. Je l'avais acheté à un personnage en mode marchand. Voilà, donc sinon elle est pas. Elle est belle, franchement, ça va. Ça va, ça va. C'est un FM correct. Donc Alliance de Mrs. Freeze combinée à casque de Mrs. Freeze, ça fait un bonus de panoplie assez géant. 120 vita, 60 force et 30 intel chance. Donc 60 force, 120 vita pour deux items. C'est vraiment un bonus qui est hyper sympa, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Avec ce mode-là, j'arrive à 1243 de force, avec le forcené et le compost, donc là je rajoute 240 force quand même, en malus de 300 vita. Mais bon, après ça je peux compenser avec un 11-6 en DD, avec 4200 vita, et si j'enlève le forcené et que je rajoute un émeraude, j'arrive à 4600 vita, donc c'est vraiment assez abusé, avec des résistances plutôt très sympathiques, hein, d'ailleurs, et un nombre de pods aussi bien abusé, hein, 12 000 pods, c'est assez vraiment fumé. En tout cas, 11-6, c'est un mode qui correspond bien pour un cra, 11-6, 11-5. 11-5, c'est vraiment le mode bourrinage, hein, avec le compost, tout ça, et le forcené, donc voilà. Sinon, côté retrait, c'est dégueulasse, hein, 27-26, vu que là je n'ai même pas le kawott pour ce mode-là. Je l'ai enlevé pour privilégier la force de frappe. Donc esquive PA 26, retrait PM 27. Esquive PM, c'est encore pas trop mal parce que j'ai des items à esquive PM. Voilà l'anneau de brousse, les bottes de brousse, je crois qu'il y en a, non. C'est où qu'il y en a, je sais plus. Sur la casque de Mrs. Freeze, sur la bêchage, j'en ai un qui se balade.
Et sur ça, enfin bon, bref, j'en ai quelques-uns, donc c'est quand même plutôt sympa. 45 CC, donc ce qui permet d'être un sur deux partout, même à la destructrice. Donc ça, c'est plutôt vraiment bien, c'est plutôt vraiment sympa. Voilà, 1 sur 2, vu que c'est un sort 1 sur 50, il fallait avoir le 45 CC. Donc, et c'est pour ça aussi que j'ai pris l'amulette rigide, hein, 6 CC, alors que l'amulette étendard, c'est 4 CC. Voilà, donc il aurait fallu, avec l'amulette étendard, un tutu plus 19 pour faire exactement pareil. Donc je le dis, vu que j'ai l'as rigide, et en plus elle est mieux l'as rigide que la Andar, pourquoi se priver? Donc voilà, 1200 de force, c'est vraiment, vraiment, vraiment abusé comme mode, vraiment très sympathique. J'ai gardé le pourpre, mais c'est anecdotique, on pourrait même le remplacer le pourpre. Enfin voilà, c'est un mode très complet, un cra très complet. Voilà, donc je suis très très content de ce cra. Donc qui reste son personnage principal évidemment. Et le petit mode troll, c'est le petit mode swag. Voilà, avec le gai chapeau obtenu dans le Dofus Mag 46 ou 26, 26 il me semble. Voilà. Alors maintenant la Eniripsa. Donc la Eniripsa, tout a un peu été changé aussi. Hein. Elle s'est pris de la vita en plus, hein, avec son Dofus Emerald, que donc j'ai réalisé la quête, hein, du Dofus Emerald sur ce personnage. Donc c'est plutôt sympa. 3800 de vita au lieu de 3600, c'est toujours plus. C'est toujours plus agréable, hein, toujours plus convoité en PVM d'avoir un peu plus de vita quand même, parce que 3600 c'est un petit peu juste, hein, pour gérer les gros monstres. Alors, une foule séculaire, hein, pour l'Eniripsa avec un over de 22 que j'avais réalisé donc moi. Un GN au PAPM, donc c'est toujours un petit peu l'optimisation assez classique, hein, sur l'Eniripsa. Une ceinture sécu exo résistance critique, bon, hein, c'est assez anecdotique, mais un leger qui est vraiment bien. Les rétas de pas de greffe, hein, qui sont over de 38. Non, qui sont pas over de 38, il me semble, je sais plus. Je vais vous dire ça. Non, qui sont pas over du tout. Voilà. Bon, bref, c'est un jet assez classique qui est pas très très bien, mais bon, il est suffisant. Coiffe sécu, donc qui est vraiment très sympa, une belle coiffe. Pour compléter donc la full panoplie séculaire. Hein. Une bague éternelle, donc ma classique bague éternelle que je ne peux pas m'en passer. L'anneau de pas de greffe, ce coup-ci Exopea, donc et 10 initiatives, hein, pour le coup. Donc voilà, il manque un CC, mais ce n'est pas très grave, hein, vu que je tiens le 45 CC à l'aise. Donc voilà, j'avais un peu anticipé ce petit échec d'effet, mais bon, ce n'est pas très grave, hein, finalement il est bien comme ça cet item. Et il est quand même plutôt pas mal. Et un voile d'encre classique pour finir ce mode feu. Alors sinon les trophées, hein, vous pouvez même les deviner. Voilà, 12 dommages cheveux, 60 intels, 16 soins quand même pour l'Eniripsa. Un kawott et un turquoise plus 15. Donc c'était celui-là qui était sur le cra avant. Et j'avais racheté un 17 pour le cra pour équiper mon second mode, voilà. Alors là, je suis donc en 11-6 avec 1600 d'initiative, quasiment 1000. Quasiment 1000, non. Quasiment 950 de force, de force, d'intelligence, pardon, je vais enfin y arriver. Portée 5, c'est plutôt pas mal, hein, franchement, c'est un bon atout de ce stuff. Deux invoques, ça permet donc de placer le Lapino ainsi que le Doppel, donc ça peut toujours être sympa côté soins et maîtrise du combat. Les retraits esquives, hein, sont pas terribles, terribles. Hein, c'est pas vraiment optimisé, ça par contre. 45 CC, 47 de soins, donc c'est plutôt sympa. Pas mal de fuites, je trouve que c'est assez sympa d'avoir 43 de fuites. C'est beaucoup mieux que le crack en a que 20. En tout cas, c'est plutôt sympa. Dommage, donc 10 de bâche, 62 dommages critiques. Hein, donc ça, c'est vraiment super. Hein, c'est toujours le combo, pardon, pas de greffe et séculaire, hein, ceinture sécu. 15 de crit, donc c'est vraiment super sympa. Dans l'amulette, non, c'est des résistances critiques, mais voilà. Alors ensuite, il y a 69 dommages feu et 41 air. Sinon, les résis, bah, 15% neutre, hein, 7% terre, 25% feu, 24% eau et 20% air, et 16 de résistance au coup critique. Donc c'est vraiment plutôt sympa, un bon petit stuff qui est quand même. Ouais, qui tient la route, hein, il tient la route ce stuff. Franchement, je l'aime bien. J'ai fini par shooter donc l'agilité également sur ce perso-là, pour gagner un peu de tacle et de fuite. Sinon, ouais, il y a un mode avec le Brûlis, voilà, que j'ai, donc en 11-5, mais je passe à 1000, quasiment 1100 de force, donc c'est d'intelligence, pardon, je vais enfin y arriver à dire intelligence, hein, pour les Eniripsa, pas force. Les Eni force, c'est pas encore au programme. Donc voilà, un Brûlis pour bourriner tout simplement en 11-5. Bon, je le mets pas pour faire vraiment des gros donjons, hein. Je préfère le faire pour faire prendre les salles des donjons, c'est vraiment très bien, parce que je gagne quand même 500, 140 d'intel. Bon, c'est plutôt sympa, au détriment de 100 vita, mais bon, ça ne change rien, vu que maintenant j'ai l'émeraude.
Voilà. Et sinon, sinon quoi dire de plus sur l'INRIPSA? Bah oui, si, un truc qu'il faut que je passe aussi, que j'avais profité sur cette vidéo, et que d'ailleurs faut que je commence à même accélérer un petit peu, parce que ça commence à faire long. Ouais, les succès, 6500, donc je commence à... oui, 6500, si, si. Donc je commence à faire un peu tout, hein, les métiers, l'élevage j'ai commencé, j'en suis déjà à 700 ici, ça monte super vite. Donjon, bah je continue, hein, les donjons tout simplement, donc les succès montent assez vite sur l'INRIPSA. Je passe vite fait maintenant sur les K-Flip avec son mode Strigi, donc c'est exactement le même stuff que le Kra avec les mêmes exos aux mêmes endroits. Voilà, donc sinon les jets se valent, hein, franchement. C'est juste un peu au niveau des Dofus que c'est moins optimisé. Hein, il y a toujours le fameux d'autruche, hein, bon c'est un petit troll. Mais bon bref, c'est pas très grave, il est là. Ravageur Terre, Furibond Majeur, donc pour optimiser un peu la force. Incaleptus que je garde parce que j'ai rien d'autre à mettre malheureusement. Vu que je n'ai pas de Dolmanax, ni de Fusée Glace, ni de Dofus Ocre. Un Turquoise plus 11 et un Kawott, sinon c'est exactement le même stuff qui est toujours bien bien optimisé, enfin bien bien FM pour que ça tienne bien la route. Donc là j'attends d'avoir l'Almanax hein, pour mettre le Dofus, le Dolmanax, voilà tout simplement. Et je finis également les 4 ocres hein, que je suis en train de faire pour mettre en 12-6 les K-Flip, ça sera un petit peu mieux, même si le mode 11-6 n'est vraiment pas dégueulasse. Côté Zobal, bah ça monte. Voilà, j'ai mis un stuff Rapidos, l'émeraude du Kra, l'initiateur majeur du Kra également. Donc voilà, je pick up un peu les items. Sinon, c'est un mode 10-5 vraiment trop basique, même pas présentable. Même pas FM hein, pour la plupart. C'est des jets vraiment assez dégueulasses que j'avais fait vraiment vite fait hein, pour vraiment mettre le perso opérationnel. Et sinon, voilà. Et sinon, je vais finir cette vidéo-là par les succès du Kra. Donc, au 20 septembre 2014, j'en suis à 8909 succès, donc depuis la dernière vidéo que j'avais fait en route vers les 10 000, ça a bien progressé parce qu'en fait pendant le mois de septembre, enfin début septembre, fin août, j'ai pas pu filmer du tout de vidéo et j'y ai pas forcément non plus pensé, enfin parce que j'avais plein de trucs à gérer tout ça. Et en fait on m'a pris dans différents combats à faire des succès et j'ai vraiment pris des initiatives pour faire vraiment des combats, des succès et ça a vraiment payé. Hein. Donc une petite récapitulation, j'ai pu passer vraiment des donjons à un peu truc de ouf, un hein, Peki Statue, pour cela, Sphinctercell Duo, Sphinctercell Hardy. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Colosso Duo, Ouga, j'ai dû faire Collant, ouais, si je crois. Worker Duo, non pas Duo, je l'avais déjà. Hardy et Blitzkrieg, j'avais fait. Blitzkrieg, je l'avais fait en vidéo, je me rappelle. C'était un très beau combat d'ailleurs. Hardy, donc je l'ai fait également, c'était assez chouette avec un Sacri, que je remercie encore. Canigroula, j'ai pu enfin tout finir avec Hardy et Duo, voilà, c'est cool. Sinon le Minotaur Duo, j'ai également fait, donc ça c'était vraiment sympa. Donc voilà, vraiment des donjons qui progressent bien également, donc j'en suis quasiment au bout d'avoir tactique payante. Il me reste plus que les Peki, donc Peki Hardy Duo, donc que je vais essayer de faire en vidéo, je pense, ça serait vraiment bien, mais je pense qu'on va bien galérer. Et sinon, qu'est-ce qui avance au niveau des quêtes, oui, les justiciers. Donc ma série des justiciers va reprendre également. Donc j'en suis toujours ici. Hein, donc j'ai pas continué ces quêtes-là. Donc vous aurez tout en vidéo. Par contre les formations pratiques, ouais voilà, j'ai continué les formations des premières, deuxième, troisième, quatrième année. J'avais fait 8e et 6e. Donc 8e c'était la Fuji Givrefou que j'avais pas filmé, mais qui était super chiante. Mais enfin on vous l'avait dans celle-là en vidéo. Donc ça revient même, c'est le même combat en fait. Donc voilà, la sixième année c'était pas de greffe de moelle que j'ai filmé, enfin il y a 2-3 jours sur la chaîne que c'est en vidéo. Donc voilà, et les premières, deuxième, troisième, quatrième, bon c'est des vidéos complètes, enfin c'est des mobs complètement useless, donc j'ai pas vraiment jugé que filmer était nécessaire, hein. C'est genre combattre Leguman, attention 1200 PV, mon dieu, on va tous crever. Non donc voilà, c'était vraiment useless, donc du coup j'ai pas filmé, mais je pense que je vais filmer, je pense septième, cinquième, je sais pas qui c'est. Enfin, on verra tout ça. Sinon, il y a toujours Ombre et Mercator à faire pour avoir un petit peu plus de succès. Donc voilà ma petite team où elle en est. Donc elle est très complète, très, enfin elle est bien optimisée, hein, je trouve maintenant. Il reste plus que les ocres. Hein, donc les ocres, je suis en train de les faire. Hein, donc c'est aussi, voilà. Donc j'essaie de caser le maximum d'informations. Voilà, j'en suis à l'étape 27 sur l'INRIPSA. Donc ça commence à être quasiment fini. Sinon pour les archis, j'en suis pas mal. Hein. Attendez, je vais juste montrer. Parce que je classe ça dans un document Excel, donc on va mettre ça tout de suite au bon visu de la vidéo. Voilà, parfait. Donc voilà, j'ai 261 archis répertoriés. Ceux qui sont donnés, donc ça c'est pour la colonne de l'INRIPSA.
Donc ils sont déjà tous donnés, il y en a déjà quand même pas mal. Et sinon après bah, tous les hoquets, là c'est tous les archis que j'ai pour les deux autres persos, donc à savoir l'Eka et le Xel. Donc c'est vraiment sympa, ça commence à bien avancer. Donc 200, 261 il me semble, oui 261, moins 1 parce que j'ai commencé à la deuxième ligne du tableau. Donc voilà, donc 260 archis sur 280 il me semble, donc c'est vraiment sympa, ça commence à bien progresser. Je pense que finir ça avant cet hiver je pense, enfin avant le passage à l'an 2015, ça serait vraiment bien d'avoir 3 ocres en plus, donc pour vraiment avoir une belle optimisation. Un Eni en 12-6 et un Eka en 12-6 ainsi qu'un Xel en 11-6. Voilà, je pense avoir fait le tour. C'était un petit peu concis cette vidéo, mais pas mal d'informations je trouve. Voilà, 20 minutes. Alors je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça m'encourage beaucoup à vous proposer du contenu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao à tous!